Allez, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien ici, oui pas. Et du coup, ce soir, je suis tout fou, je suis tout content, je suis tout excité. Bon, ça fait bizarre à dire, mais j'ai hâte que ce live soit terminé d'une certaine façon. Évidemment, voilà, vous allez vite comprendre pourquoi. De toute façon, si vous avez suivi un petit peu les derniers lives et les musiques qui sont en train de passer, vous allez vite. Comprendre le pourquoi du comment, du coup, je vais attendre que la pub passe et après je dirai bonjour. Mais voilà, du coup, aujourd'hui j'ai hâte, je suis tout content, voilà, tout simplement. Alors, par contre, est-ce que le truc est bien parti? Oui, c'est bon, il est parti. Ok, tout va bien, nickel. Alors, 10 secondes avant que la pub se termine, évidemment, j'ai encore une fois mal timé mes musiques d'intro, bien sûr. Baka, 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 yada, baka, baka. Pardon. Ouais, donc du coup, bonsoir Luna, bonsoir Astrion, j'espère que vous allez bien du coup pour ce petit live. Alors, aujourd'hui, on va faire évidemment, on va continuer un peu Feito, Samurai, Lemnanto. On en est sur la fin de la première route là, du jeu, la fin là. La fin de la première run du jeu. Là, juste aujourd'hui, on va juste faire des petites quêtes annexes, des digressions à droite à gauche. J'ai un peu farmé de mon côté, je vous montrerai ça. Mais voilà, on va aller juste faire les digressions des différents servants parce qu'on a pas mal de trucs, mine de rien, à faire qui nous reste à avancer avant, bah, du coup, d'entamer on va dire le sprint final, hein, la dernière ligne droite vers la fin de la route. Mais voilà, aujourd'hui on va juste faire des quêtes annexes du coup. Alors le pourquoi du comment, pourquoi j'avais envie que ce stream se termine vite, plutôt en fait c'est plutôt ça, c'est que à minuit aujourd'hui, il y aura du coup comme je l'ai déjà annoncé, hein, le concert HoloLive, bien sûr, hein, HoloLive English, qui s'appelle Breaking Dimension. Et moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit bientôt minuit là pour pouvoir regarder ce concert. Simplement. Voilà, concert qui sera rediffusé, enfin qui sera diffusé en direct. On va faire un watch along sur le Discord. Et demain pareil, du coup il y aura même chose. Sachant que du coup demain, il y aura du coup en plus de ce watch along également à minuit, il y aura un autre stream déjà sur Samurai Remnant. Où là je pense qu'on va peut-être commencer à attaquer la dernière ligne droite justement. Et il y aura également session visionnage d'animé sur Discord à 15h comme d'habitude le dimanche. Et du coup, cette fois, on s'est mis d'accord. Et donc, sachez que les prochaines sessions visionnage d'animé sur Discord, ce sera sur les films Fate Grand Order. Donc, on commencera par le premier qui est du coup First Order, du coup, qui résume qui est l'intro du jeu, hein, qui est le chapitre Fuyuki, grosso modo. Et après, du coup, on fera les films suivants, c'est-à-dire du coup Kaamelott 1, Kaamelott 2, Salomon. Donc ça fera au moins 3 semaines. Donc en tout, on a 4 semaines de ça. Et en plus, je proposais du coup en bonus stage un petit peu qu'on regarde également ceci, hein, Fate/Grand Order The Stage Replica Agathe-Ram, qui est du coup tout simplement la comédie musicale de FGO Kaamelott que j'ai acheté au Japon, qui est encore emballé, hein, que j'ai pas encore ouvert ni rien parce que bah j'ai pas eu l'occasion de la regarder. Et je me suis dit bon bah écoutez, ça peut être une occasion sympa justement de découvrir ça tous ensemble. Moi j'aurais pas souvent de comédie musicale, alors encore moins de comédie musicale japonaise, donc ça va être un peu une découverte, une expérience. Et du coup voilà, donc on va se regarder ça du coup dans les semaines qui arrivent, hein. Apparemment c'est en deux CD d'une heure et demie chacun, donc bon bah ça fera du coup 2 semaines de plus on va dire. Donc voilà, grosso modo, ce qui arrivera dans les prochaines semaines sur le Discord, ce sera du coup les films Fate et notamment également cette comédie musicale que je suis un peu curieux de voir mine de rien également. Voilà. Est-ce que je voulais dire d'autres choses à part ça? Ouais, si, petit truc, effectivement, on est bientôt à la fin du mois. Salut Ban! Et Lolo, bonsoir à toi, j'espère que ça va bien, et Lolo. On est bientôt à la fin du mois, la semaine prochaine, on est le 31, donc soit vendredi prochain, soit samedi, peut-être plutôt samedi, je pense. Enfin, faudra voir un peu ce que j'ai dispo à ce moment-là. Mais le live, en tout cas, de fin de... Enfin, alors, un live la semaine prochaine. Il y aura du coup le récap des events de septembre de FGO, forcément, parce qu'on arrive sur la fin du mois. Le seul truc, c'est voilà, c'est ça. Bientôt la revue FGO du mois prochain, exactement.
Le seul truc, c'est du coup, si jamais dans la semaine là qui arrive, il y a une campagne genre back to school qui est annoncée, comme certains le supposent, bah on fera cette revue assez proche derrière, juste pour couvrir en fait ce truc-là dans la review, qui n'était pas forcément couvert dans la review du mois dernier, puisque c'est un truc exclusif à la NA, donc je ne pouvais pas le savoir. Voilà. Mais du coup, potentiellement, ça se sera annoncé, si ça arrive, ça sera annoncé du coup là pendant les conférences du Anime New York City, et donc notamment celle, je crois que c'est dimanche, il me semble qu'il y en a une, de conférence, je crois, je sais plus. Samedi ou dimanche? Enfin bref, je sais plus. C'est aujourd'hui samedi. Je crois que c'est demain, oui, il y a sûrement une conférence dessus. Donc si jamais il y a un truc annoncé, ce sera à ce moment-là. Donc potentiellement, alors lundi, je pense que je serai KO, donc il n'y aura pas de live lundi. Mais peut-être mercredi, éventuellement, ça pourra se faire du coup. Et on pourra discuter de ça du coup tous ensemble. Et également, du coup, les nouveaux servants, les nouveaux events qui arriveront pour le mois de septembre. Parce que pour le coup, ce mois-ci, il y aura des nouveaux servants. Voilà, pas comme le mois dernier. Voilà, au moins il y aura un peu de contenu là, du coup. Voilà. Est-ce que je voulais dire autre chose? Je ne sais pas, je pense pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se rasseoir et on va vite démarrer ce live Fight Samurai Amnante pour se donner l'impression que ça se terminera plus vite. Et qu'ainsi, ce fameux concert Hololive, soit à portée de main. J'ai trop trop hâte. J'ai trop trop hâte que ça démarre quoi. Back to school, généralement, c'est des trucs un peu habituels, c'est-à-dire ticket d'invocation, mana prisme, rare prisme, XP, QP, machin, enfin, truc de base, quoi. Et les quêtes, genre demi-AP pour les quêtes de farm, ce genre de choses, pour les quêtes quotidiennes. Et éventuellement, du coup, aussi une bannière pour certains persos, généralement typés enfants. C'est dans ce genre de bannière qu'on retrouve du coup des Illya, des Chloé, des Miou, ce genre de choses. Donc potentiellement, voilà, ça fait déjà plusieurs fois qu'on les a. Attends, je vais regarder un truc vite fait. Je vais regarder les dernières campagnes Back to School, je vais te dire exactement ce qu'on a eu. Back to School. Parce qu'effectivement, ça peut être intéressant. Alors, on a quoi? On en a eu deux, on a eu 2022 et 2023. Alors, 2022, tiens, je vais montrer ça d'ailleurs. Tac, tac. Ici. Yes, c'est bon. Ouais, ah non, ça va pas. Ah, décale-toi plus, toi. Voilà, nickel. Donc, Back to School 2022. Du coup, voilà, on a eu des quartz en login de connexion. Des interludes des rank-up quêtes moins chères pour certains servants. Si tu démarrais le jeu pendant cette période, t'avais des bonus. Et sinon, t'avais juste une campagne pour Illya, MH Exalter et Miyu, par exemple, en 2022. Et en 2023, du coup, pareil, récompense de connexion. Si tu reprenais le jeu et que si tu faisais longtemps que t'avais pas joué, t'avais des bonus. Pareil, si tu démarrais le jeu pendant cette période, t'avais des bonus. Voilà, plus de demi-campagne pour les daily quests, machin. Des missions limitées dans le temps qui donnaient quelques récompenses supplémentaires. Voilà, des rank-up quests. Ils ont effectivement l'année dernière ajouté le fait que les nouveaux joueurs, ils aient un GSSR offert, enfin pas offert mais réservé du coup, et encore une fois campagne pour Illya, l'autre Illya et Miyu. Voilà. Donc, si jamais campagne Illya, ça... Illya, vous l'avez. Si jamais il y a une campagne, on devrait en être informé assez vite puisque voilà, là celle-là elle durait du 15 août au 31 octobre chez nous. Et du coup, si je reprends celle de 2022. C'était du 29 août au 12 septembre, donc voilà, il y avait des. C'était fin de mois d'août, quoi, grosso modo. Non, c'est en fait, c'est ceux qui démarrent le jeu, ils ont du coup un start dash, une GSSR exprès pour eux. Voilà, hop là, c'est ici. Donc, only available in NS server FGO, voilà. Pour l'instant, c'est pas disponible sur la JP, c'est que sur la NS exclusif. Mais du coup, voilà, ils ont mis pendant 30 jours, pendant un mois, quand tu démarres le jeu, tu as droit à une GSSR spéciale, voilà. Où du coup, tu as 21 servants dedans. Et puis voilà, Piolo. Et en vrai, des bons trucs hein, qu'il y a dedans. Hein. Il y a Cléopâtre, il y a Dantès. Il y a les bons persos, quoi, voilà, évidemment. Bon, voilà, donc ça c'était du coup pour ce qu'on a déjà eu les années précédentes sur le Back to School. Donc on verra.
Si jamais on a quelque chose cette année, eh ben on en reparlera du coup le jour où ça où ce sera annoncé. Alors, où est mon jeu, moi? Samurai Nanto, il est là. Est-ce qu'il peut se lancer? Ce serait pas mal. Oula. Avec du son, ce sera mieux. Voilà. Et ça, on va pouvoir le fermer. Touch, touch, touch. La manette, ça fonctionne. Oui, il faut juste un truc. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vois mes potes qui n'ont pas voulu me suivre dans mon entrée dans la GOCT. Ouais, voilà, logiquement, ce serait une bonne occasion pour faire démarrer les gens sur FGO. Voilà. Yo Saito! Et lui, oui, je pense à bien. Ouais, bah chaud. Hein. Bah, de toute façon, là, encore une fois, aujourd'hui, on va surtout faire des petites quêtes annexes, des digressions, ce genre de choses. On va pas trop avancer l'histoire principale, je pense, aujourd'hui. J'ai un peu farmé de mon côté. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors. Comment je contre ça? Voilà. Déjà, je me suis occupé de terminer voilà tous les événements, toutes les missions de chaque ville qui étaient disponibles. Comme ça s'est fait déjà. Vu qu'il y a un succès qui me demande de faire des missions de ville justement, elle m'en demande d'en faire 19 je crois, là il y en a 17, donc c'est-à-dire qu'il y a encore deux villes, à minima il y a encore deux villes qui manquent de faire leurs objectifs, donc on verra ce que c'est. Donc déjà ça voilà, ça c'est fait. Ensuite, je me suis également occupé des recollection quests, un peu du jeu, hein, les recollection battles, merde c'est pas ce que j'aurais dû faire. Comme ça que j'aurais dû le faire, c'était ici. Merde, putain, bon, d'accord. Ok, ça va ramer. Allez, le jeu! Allez! Oh putain, ça rame tellement à l'aide. Ouais, donc en gros, là, je me suis occupé de faire toutes les recollection battles disponibles. Et y en avait des sacrément corsés en fait, hein, parce que. La dernière fois, on s'est arrêté sur Gilgamesh Ruler, tout ça, qui était pas évident. Vous en avez raté une. Voilà, c'est celle-là, là. Oil and Water. Fight Rogue Lancer and Rogue Ruler. Donc Gilgamesh et Cuckoo Lane en même temps. Ah, je vous avouerai que j'étais pas joyeux, hein, quand j'ai vu ça et que quand je me suis déglingué. C'était complexe, hein, clairement. Mais bon, m'en suis sorti. Donc voilà, j'ai fait toutes celles qui me manquaient. Il y en avait une aussi où c'était Archer et Zhen Shengong aussi, que du coup je devais affronter sur le bateau. Bon, ça c'est vite fait, mais voilà, c'était complexe, c'était complexe. Mais bon, c'était rigolo à faire. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre également? Oui, bah du coup de fait, voilà, j'ai une super épée là, attaque 375. En récompense de justement ce genre de quête. Et puis j'ai un peu, voilà, tout. Pareil, là j'ai des gardes 145 ici, des matos. Enfin, voilà. Je me suis bien amélioré en termes de stuff de mon épée également, justement en finissant ces quêtes-là. Ce qu'on va pas simple, mais c'est pas le plus dur avec ce... Oui, bah je me doute bien. Mais bon, déjà lui il était pas simple, voilà. Après, voilà, avec Saber, je me suis. J'ai trouvé des petits combos, enfin des petits. Enfin, j'ai un peu revu les attaques que j'avais équipées à Saber. Notamment donc le rain drop, de toute façon c'est toujours mon MVP, hein, le machin qui arrête instantanément toutes les attaques qu'il y a en face. J'ai débloqué ça. Non, Breaking Wave, ça c'est celui qu'on avait déjà. Non, c'est voilà, c'est celui-là que j'ai débloqué, le Wellspring, qui est en fait la batterie du MP de Saber. Donc voilà, ça y est, je l'ai enfin du coup. Donc ça va être très 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 utile. Pardon. Et enfin, je me suis rééquipé de ça, la Fluid Motions, où en gros. Voilà, ça enveloppe l'épée de Saber avec de l'eau, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il attaque, ça fait des projections, des lames d'eau qui partent au loin. Et ça, en vrai, pour vaincre plusieurs servants en même temps, c'est vraiment pas mal, parce que suffit qu'il y en ait un qui soit un peu plus éloigné de l'autre, bah du coup, tu peux en taper un et pas le deuxième, alors qu'avec ça, du coup, tu tapes les deux en même temps, ça fait des gros dégâts, c'est pas mal du tout. Donc voilà, et mais surtout, la batterie de NP de Saber, et alors ça, ça va être stylé, je pense. Donc voilà. Je me suis mis Tamamo Aria en recruté, mais honnêtement, pour l'instant, elle a qu'un seul skill qui baisse vaguement, je crois, la... La... C'est quoi?
Ah non, qui me renforcent vite fait, qui sont un peu et qui charment un peu certains ennemis. Bon, il y a que ça, donc pour l'instant c'est un peu léger, donc je pense pas avoir beaucoup lane. Mais Ouh, même Marc, regarde, tu vois, tiens. Ah, après Arjuna, j'ai. Alors, je pense qu'on va commencer par ça. Je pense qu'on va commencer par faire la quête d'Arjuna parce que je suis. J'aime bien jouer Arjuna parce que le fait de pouvoir tirer à distance en tant qu'archer, c'est pratique. Mais le truc, c'est que j'ai pas son NP et c'est chiant parce que, bah, contrairement à Kukulén qui fait d'énormes dégâts là, avec le NP, regarde archer, c'est moins possible. Donc, je pense qu'on va commencer par aller faire ça. C'est la quête de. La quête d'Arjuna, comme ça on aura son NP, on sera débarrassé, et on pourra s'en servir plus efficacement du coup. Donc voilà ce que je propose pour démarrer. Voilà. D'abord le truc qui brille. Non, pas par là du tout. Alors, oula, alors, il est où le Arjuna déjà? Ici, le port de Kanagawa. Ah la vache, je vais mourir aujourd'hui, c'est terrible ça. Alors, il est où? Il est là. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais me soigner avant. Ça fait longtemps, hein, ça faisait longtemps, Archer. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé comme ça, parce que t'essayes pas de m'atomiser à chaque fois que je t'adresse la parole. En effet, pendant un moment, ma psyché a été altérée, après tout. Bon. Et au final, et du coup, à cause de ça, j'ai fini par lever mon arc contre des amis. J'ai honte. Ah, mais t'en fais pas, je sais que c'était pas ton intention. Voilà. Section 15 de la Lost Belka, pour l'instant, bah, je kiffe bien le concept, est vraiment cool pour le coup. Un Arjuna, pour l'instant, son méchant. Oui, le Arjuna God, il est en mode. Bah, c'est un peu le problème de certains persos que j'ai dans FGO, type. Dans une moindre mesure, Galatea ou autre. C'est des persos qui, en fait, sont un peu. Bah, sont pas très expressifs, du coup. Donc, bon. Tu t'emmerdes un peu quand tu les regardes. Après, ils ont le style, ils ont le charisme et tout. Mais ils sont pas très expressifs, du coup, bon, voilà. Mais sur la fin, ça change un peu, justement. Je te spoil pas, mais sur la fin, voilà, tu sens qu'ils s'énervent un petit coup. Voilà. Il fait très bien. Jinako est égal à M, si j'avoue que j'aurais préféré une continuité des versions de CCC, mais. Alors, justement, le fait de. De pas trop aborder CCC avec Jinako, ils ont abordé ce point justement dans la vidéo live stream de. Enfin, dans le live stream qu'ils ont fait là sur la chaîne d'Aniplex USA. Ils ont abordé le point justement, c'est une question qui avait été posée par. Bah, je crois que c'est la doubleuse de. Merde, c'est laquelle, je sais jamais. Des Valkyries. Qui justement est une. Grosse otaku de Fate hein, en tout genre, et qui justement se posait la question de comment ça se fait qu'on n'a pas trop de ressenti de lien entre, bah, par exemple, entre Karna et Jinako, par exemple, malgré toute leur relation dans CCC. Et c'était voulu en fait, c'était voulu parce que bah, je sais pas si c'est Nasu, non, c'est pas Nasu, mais en gros, les gens qui étaient derrière l'écriture de la Osbel 4, avec, je crois que c'était comme ça, c'est avec l'accord de Nasu, il me semble, ont préféré ne pas trop mentionner parce que, bah, en fait, ils étaient en mode, les gens n'ont pas forcément fait CCC en jouant à FGO, et donc ils ne voulaient pas trop mettre l'accent là-dessus, même si t'as une ou deux phrases. Qui font référence quand même au fait, t'as un ou deux moments quand même, notamment encore une fois sur la fin de Lost Belt, qui font quand même écho au fait que les deux, que Karna et Jinako se connaissent. Voilà, c'est pas énorme, mais ça existe, et ça sera surtout plutôt sur la fin de la. De toute façon, sur la fin de la Lost Belt, Jinako c'est le meilleur perso. Voilà, je veux pas spoiler, mais voilà, Jinako, meilleur perso, c'est sûr. Parce que là, 15. Je sais plus combien de chapitres dans la Lost Belt, mais oui, t'as déjà bien avancé, effectivement. Mais voilà, donc bon, écoute, profite du coup de la fin de cette Lost Belt, parce que moi, franchement, je l'aime beaucoup, cette Lost Belt. Voilà, tout simplement. Ah oui, du coup, regarde, est-ce que tu voulais demander un truc à Yori ou quelque chose? Ah oui, en effet, laissez-moi parler franchement.
Miyamoto Yori, je veux que vous m'affrontiez à nouveau. Oh merde. Je peux demander pourquoi ? Quand nous sommes affrontés au port de Kanagawa, dans la profondeur de mon calme à conscience, je pouvais le sentir. Je pouvais sentir un changement dans tes épées. C'est comme si quelque chose était réveillé d'un profond sommeil, comme si des ailes magnifiques s'extirpaient d'une chrysalide. Elles étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus aiguisées que lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois. J'aimerais affronter à nouveau ces épées juste avant que le rituel se termine. Pour t'affronter en tant que Kshatriya qui a vécu une période pleine de, enfin, déchirée par la guerre. Yaro. 20 sections pour la Zwelt. Ok, donc ça, t'es plus sur la fin, c'est ça. Ouais. Ok. Aja, j'aime bien sa tragédie derrière son perso. Ouais, non, franchement, il y a plein de persos super cool. Même aussi Lakshmi Bai qui est bien vendu aussi. William Tell qui fait un bon boulot également. Enfin voilà, franchement, tous les persos sont trop bien dans cette Zwelt en vrai. Moi j'adore. Je comprends. Bah allons-y, Archer. Je ne peux pas exprimer par des mots simplement ma gratitude. Allez, nous allons nous affronter honnêtement en ne nous retenant pas. Préparez-vous. Let's go! Oui, Peperoncino, c'est le GOAT aussi, hein, clairement. Isa Jinjoni! Alors attendez, déjà, on va se soigner. On va passer en posture du vide. Et on va espérer pas prendre trop cher. Il va pas être évident contre un archer. Allez, voilà, c'est parti. Allez, ok, c'est mort. Ok, posture du vide, c'est mort. Très bien. Ok. Aïe, putain, merde. Bon, merde. En fait, ce qui est trop chiant en fait avec Archer, c'est que il est vulnérable qu'au moment où il termine ses attaques. Le problème, c'est qu'au moment où il termine ses attaques, en fait, il termine de tirer à l'arc, mais du coup, son arc, enfin les flèches, elles tombent au bout d'un moment, quoi. C'est trop chiant, quoi. Ça, je connais. Genre ça là, cette attaque j'en peux plus. Fais chatte chercheuse là, l'aide. Non, Saber, attendez où? Ah mais t'as ton MP. Il a son MP, il me le dit même pas. Après ça va, il a pas beaucoup de vie. Ça va. Voilà. Katsumokuseyo. Merde, oui, ça va. Allez, là il va remettre sa black bar du coup. Non, pas du tout. D'accord. Voilà, c'est bon. Ok. La suite, Weston. Ah ouais, c'est ça, 75% de batterie, c'est fort. Et non, je suis pas dedans, raté. C'est les pieds, vraiment. Amai!
Toute la ferme, bam! Tu dégages! Tac, tac, tac! Ouais, j'arrive, une minute. Voilà, j'arrive. Épave! Oui! Bam! Tac, 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 merde. Parle, c'est pour faire plus de dégâts avec la potion du feu. Non! Oh là! Oh putain! Putain! Arrête-le! Allez, c'est bon! Tac, voilà! Son chikara o mitomemashou. Kaketa reiki to wa ie. Non, je suis plutôt d'accord. Et t'inquiète pas avec Beryl, ça va pas s'arranger. Je me rends compte d'un truc, j'ai essayé hein, vraiment de changer l'orientation de ma scène et tout, mais en fait je me rends compte que ça va pas du tout. Parce que vraiment je cache tout là, donc non, on va tant pis. Je vais m'inverser lorsque je vais parler, mais c'est pas grave. Je préfère que ce soit visible. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, tac. Voilà, j'aurais tenté, mais au moins, ça sera plus clair comme ça. Voilà, tac. Yes, allez. Hop. Je vois. Miyamoto Iori. Tu es fort, Miyamoto Iori. Tes compétences à l'épée sont admirables. Et bah, ça veut dire beaucoup de la part d'un esprit héroïque tel que vous. Alors. Bien que nous ne soyons pas combattus jusqu'à la mort, vous m'avez vaincu. Vous m'avez quand même vaincu. Vous devez être récompensé pour votre bravoure. Mais qu'est-ce que je peux vous donner? Jusqu'à maintenant, je n'ai fait qu'être du côté de ceux qui reçoivent. Alors tu pourrais lui apprendre une technique. Ça rendrait Iori heureux, plus qu'un cadeau random. Je vois, brillante idée. Alors laissez-moi vous apprendre une technique à moi. Bah, je suis flatté par l'offre, mais est-ce que c'est ok de me donner ça si librement? Oui, il n'y a pas besoin de conserver à soi quelque chose comme ça. Je n'ai aucun doute que vous réussirez à maîtriser son utilisation. Cette technique va vous aider à vous assurer la victoire. Est-ce qu'on va pouvoir enfin tirer à l'arc, nous, en tant que samouraï? Merci Archer, je promets de faire bon usage de cette technique. Merci, veuillez m'appeler Arjuna. Arjuna, c'est ton nom véritable? Oui. Je vous le révèle en signe de notre profonde amitié. Mais s'il vous plaît, ne le dites à personne d'autre. Bien sûr. Alors maintenant, laissez-moi vous aider à nouveau dans votre victoire. Vous êtes mon seul ami dans ce monde, mais continuons à travailler ensemble. Oui. Bam! On a enfin le nom véritable de Rogue Archer, et il se trouve que c'était en fait Arjuna depuis le début! Incroyable! Incroyable! Et donc on a Pashpata, j'ai hâte de le voir en 3D. Et du coup on a une technique à l'arc! Oh, d'accord, c'est une technique qui nous permet de faire une vague d'énergie de devant nous. Ah, intéressant ça en vrai. Intéressant. C'est ça, Péril, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, oui, Akuta, bah, c'est comme je disais, c'est le syndrome, une expression totale, en fait. C'est genre, bah, c'est la personne qui se dévoile pas, enfin, qui n'exprime rien en tant que méchant. Et du coup, bah, tu t'attaches pas trop au perso, quoi, en fait. C'est surtout ça, c'est le problème. Voilà. Après, évidemment, bah, en tant que Yumeiren, bon, elle a des petites one-lines sympas avec le master et tout. Les interludes qu'elle a sont plutôt sympas pour le coup.
Donc au moins elle, son évolution continue avec en tant qu'humaine quoi justement. Donc Almi ça peut se rattraper comme ça. C'était Alter et Mia. What the fuck? Ok, bon, Arjuna c'est fait, du coup. Technique. Voilà. Tac, voilà, ça c'est bon. Du coup, est-ce que je le mets? Je sais pas, hein. Parce que voilà, ça c'est la technique de Kukulen que j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que le truc d'Agni. Ouais, le truc d'Agni, c'est pas mal aussi, hein. Je vais être en anglais, il y a Alter Mirror était blanc. Je peux rien dire face à ça. Argument imparable. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup? On a une digression d'ici, je sais pas de qui. Attends, il n'y a pas un truc comme ça. Voilà. On a la digression de Seb, on a une digression My Brother Skipper, je sais pas qui c'est. Digression de Musashi, digression de Samson, et bon, les DLC, non. Donc je me dis, peut-être faire celui de les trucs en rouge, là. Peut-être les trucs en rouge, ça peut être intéressant de les faire. Hein. Faire celui de Samson, là. Samson. Tiens, qu'est-ce qui nous amène un duo de samouraï ici? Est-ce que vous avez affaire avec Musashi? Désolé, mais elle n'est pas là pour le moment. Vous pouvez attendre un petit peu ou revenir plus tard. Ah non, c'est pas ça. Bah alors qu'y a-t-il? Est-ce que vous êtes venu pour m'encourager? Ah, j'ai l'impression d'être... Enfin, vous êtes venu me réconforter. J'ai l'impression d'avoir touché juste. Vous êtes un sacré homme à femme, Seigneur Iori. S'inquiéter pour quelqu'un comme moi qui s'était extrait, enfin qui a abandonné le rituel. Mais les femmes de Yoshiwara sont fortes. Nous ne perdons pas notre cœur lorsque quelqu'un disparaît ou meurt. Même Samson. C'est ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il a été capable de revenir avec un sourire. Je ne regrette pas de l'avoir rencontré ou le peu de temps que nous avons partagé ensemble. Attendez, Samson voulait disparaître? Ah, c'est ce que je crois maintenant. C'est ce que Samson voulait. Même couper ses cheveux a mis fin à son invincibilité. J'ai coupé ses cheveux avec ce wakizashi. Vous savez duquel je suis en train de parler. J'ai entendu dire que vous l'avez... C'est vous qui l'avez ramassé lorsqu'il l'avait laissé tomber. Ah, ce wakizashi. C'est celui que je lui ai donné. Je l'ai transporté... Il l'a conservé de façon dévouée, alors même qu'il ne s'en est jamais servi. Mais un jour, il me l'a rendu. Il s'est arrivé après que la magie de Tsuchimikado a pris le contrôle des servants errants. Je suis sûr qu'il avait... Il s'était décidé à ce moment-là. Il m'a pardonné d'avoir coupé ses cheveux, de lui avoir ôté ses pouvoirs. Son sourire était tellement heureux et accompli. Qu'est-ce que je suis censé faire quand il me montre un visage comme ça? Tayu. Bon, bébou. Laissez-moi vous remercier à nouveau. Merci de m'avoir aidé à arrêter Samson là-bas. Merci pour m'avoir permis de le faire moi-même. Si vous voulez, pouvez-vous m'ôter ça de mes mains? Ces cheveux? Je les ai emballés avec... J'ai emballé ce qui restait dans ma main ce jour-là. D'accord. Tout le reste a disparu sans laisser de traces, mais pour une raison ou pour une autre, celle-ci n'a pas disparu. Je veux que vous vous souveniez de lui également. Il était un berserker, mais il ne portait pas de rancune. Il pardonnait, il était protecteur, et il était plus gentil que n'importe quel autre homme. Tanlen no kai ga atta.
D'accord, donc nous avons maintenant à la technique du Lion Slayer, une technique secrète octroyée par Rogue Berserker, qui du coup fait un gigantesque coup au sol. Bam! Pas mal, mais bon, je pense que je préfère ce que j'ai déjà. Ok, donc les digressions en rouge, c'est juste des dialogues en fait. Alors, je crois que le pire, c'est que tu libères le cul trois fois de suite et à chaque fois on a des avantages qui finissent des sources. Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est clair. Ouais. C'est ça. Effectivement. C'est une méchante, mais pas vraiment méchante, quoi, en fait. C'est juste ça. Qui est pas très pratique du tout, la technique. Ouais, mais je comptais pas m'en servir. Hein. Bon. J'ai envie de finir par celui de Saber, donc je vais faire celui de Musashi, celui de Scylla, et ensuite je ferai celui de Saber. On va faire celui de Musashi d'abord. Alors. Le gars errant qui finit au service de Takao Dayu, manier l'acier, j'ai pas eu le temps de lire la fin. Mais un jour, le voyageur errant rencontra un géant qui deviendrait plus tard le gardien de Yoshiwara. D'accord, donc ça, c'est la rencontre entre Rogue Berserker et Berserker du coup. Eh ben, sacré morceau! Ses bras, ses jambes, ce torse! Toi, t'as pas manqué un jour à la muscu, pas vrai? T'es un esprit héroïque, n'est-ce pas? Je dirais Berserker. Et je suis un Berserker également, ça doit être le destin! Est-ce que tu es l'un de ces servants qui n'est pas attaché à un master? Ce rituel peut aussi invoquer ce genre de choses. Eh ben, il y en a un qui est motivé, dis donc. Très bien, homme mystère. Eh ben, tu vas pas t'en tirer sans un combat. J'ai besoin de te calmer. Bon, voilà. Musashi versus Berserker, round 6, j'imagine. Bam bam. Bam bam. Il bosse, bam! J'arrive, c'est ça! J'essaie de film, gros là! Aïe, oh putain, d'accord! Non! Attends! Non. Fuck. Tu t'arrêtes. Merde. Ah, zut. Aïe. Ok. Non, riposte. Voilà. Il t'arrête, j'ai dit. Oh merde. Oula. Ok, c'est bon, ça marchait. Bon tour, premier coup, c'est terrible. Hein. C'est ça de taper comme un bourrin sans s'arrêter. On prend toujours le premier coup, hein. Ok, non.
On met sur une liste de fanart où chaque part de master et servant du jeu allait à la plage. J'avoue que vous sachiez en tenue des contracts à la plage, c'est sympa, faut que je retrouve. Ah, moi je veux bien, ouais, si tu peux mettre ça dans le. Dans le channel, bah, soit Samurai Amnon, soit illustration avec un spoiler, parce que bah, certains ont pas envie de faire le. Enfin, ont pas suivi le jeu avec moi. Mais ouais, si tu peux montrer ça, moi je suis chaud. Hein. Allez, 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 merci. Salut Kiwi, salut Hello, on s'en va, on s'en va. Merci beaucoup pour le 23ème mois de sub. Amis du soir, bonsoir. Amis du soir, bonsoir. J'espère que ça va bien du coup, de côté. On est parti pour faire quelques petites quêtes annexes sur Samurai Amnon, voilà, tranquille. Non, hop là, ça suffit. Hop là! Franchement, Musashi avec une batterie, mais je veux ça dans FGO, vraiment! C'est tellement pratique! Musashi Cyber, c'est tellement pratique! Tu as Berserker, a plus besoin! Attends-moi. Voilà! Tiens, chez, voilà! Et bah t'as perdu. Ah, il va pas tomber hein. Un million de coups pour lui, c'est comme des piqueurs d'insectes sur ce corps d'acier. Sur ce six-pack. Franchement, tu devais être un guerrier renommé, non? Mais ici, on est à Yoshiwara, le quartier, la forteresse d'Ayu. Donc tu ne peux pas... Enfin, je ne peux pas reculer non plus. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut, Musashi? Dayu, recule, c'est dangereux. Va derrière moi. Mais t'es un grand garçon, toi. Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça ici, hein? Peut-être que le gentil monsieur étranger ne comprend peut-être pas ce que je raconte. Mais peut-être que mes charmes féminins ne nécessitent pas de traduction. Ah, elle a pas tort. Ah merde. Il s'est arrêté? Non, c'est plutôt que... Il a complètement et instantanément perdu tout désir de se battre. Dayu, juste pour être sûr, tu connais cet homme? Bien sûr que non, je n'oublierai jamais oublié un jeune homme aussi fringant. Mais je me demande, il y a une tendresse dans ses yeux quand il me regarde. Vous êtes vraiment jamais rencontré? J'imagine que c'est... Du coup, ça doit être le charme de la numéro 1 de Yoshiwara. Et ce beau spécimen-là, c'est un servant également, n'est-ce pas? Ouais, mais je pense pas qu'il est de master. Ça doit être ce qu'on appelle un servant errant. Quant à pourquoi est-ce qu'il est apparu à Yoshiwara, j'ai essayé de comprendre, mais... Que faire? Peut-être qu'on devrait l'aider à rentrer chez lui, s'il a un chez lui. Bah, c'est à lui de choisir, hein. Bon monsieur, est-ce que vous pouvez m'écouter? Est-ce que vous m'entendez? Si vous avez nulle part où aller, bah vous pouvez rester ici. On a toujours besoin d'hommes bien bâtis comme vous. Toutes les filles se sentiraient plus en sécurité avec un garde du corps comme vous aux alentours. J'arrive pas à y croire. Il s'est calmé le con. Bah, c'est super. Et bien joué Dayu. GG. Et voilà, ça a commencé comme ça. Bam! Merci pour la thune. Ensuite, on a du coup My Brother's Keeper à Kaneiji. Qu'est-ce que c'est que ça? No, wait, attends. Oui, non, c'est ça. C'est pas la quête principale. J'étais en train de me demander, mais à ce moment-là. Ok. Ouais bah si oui ouais, s'il y a du spoil tu mets sous silence les autres mais ok c'est tout en haut. Bon les autres ça peut se faire. Alors c'est loin, ça chaille. Oh la vache. Alors. Ok. Yakidomo. ならば
Pousse sur du feu, c'est tellement fort. C'est tellement fort cette merde. Encore un autre là-bas. Oh nu. Il est tout nu. Oh ouais, 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 d'accord, attends ça, on va peut-être se soigner. Hein. Ça suffit les conneries. Ça j'ai pas encore compris comment ça se battait, donc je préfère pas faire de conneries avec ça. Hop là. Chez. Touch. Tu te tais, tu te tais. J'ai dit tu te tais. Ouais ouais j'arrive. Oh là. Boum. Boum 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 dans la tête. Bam. Et bam. Facile. Non mais oh. Bon, est-ce qu'on peut enfin voir ça? Vous êtes qui vous? C'est la digression de qui que je m'apprête à faire là? Oh mais ce sont les Onmyoji qu'on a vu précédemment. Ah putain c'est vrai, oui oui c'est vrai. Je sais plus ce qu'ils cherchaient eux déjà. Est-ce qu'ils complotent encore quelque chose même sans Tsushima Mikado? Y'a pas de signe de servant dans le coin, on va leur demander directement. Ah, attends Saber, on peut pas juste... Je te jure. Je vois. Et comment les choses se sont passées? Ah oui, le frère de Tsushima Mikado, d'accord. Okay. Monsieur, tout s'est passé correctement à Kanagawa. Le mage étranger a également l'air de se... Voilà, le mage étranger a également l'air de bien se... de bien faire ce qu'il a à faire à Yokosuka et à Akasaka. Ravi de l'entendre. Alors nous, on a juste besoin d'attendre pour... Ça suffit! Qu'est-ce que vous complotez, vous? Mais vous êtes... Maintenant que mon frère est parti, je n'ai plus de complot ou d'intention de vous nuire. Ah, facile à dire pour vous, mais pas facile à croire. Vous pouvez me douter de moi si vous voulez, je pourrais pas vous en vouloir. Mais les choses sont différentes maintenant. Nous avons des devoirs que nous devons accomplir. Un nid de monstre a été détecté. Seigneur Takatoshi, nous devons les arrêter coûte que coûte. Arrêtez des monstres, vous dites? Ce monde paisible n'a pas besoin d'eux. Les mythes doivent être cachés des gens. Ce genre de ligne de pensée était plus en... Attends. Ouais. C'est peut-être une ligne de pensée qui est plus proche des mages de l'Occident plus que des vieux Myoji, mais même nous devons nous adapter à l'époque. En tant que successeur du surveillant du rituel, je ne peux pas autoriser des monstres à tout saccager comme ça. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Mais s'il s'agit de monstres à arrêter, vous savez, on peut s'en sortir, on peut y arriver aussi, hein. Allons voir ce qu'il cherche à faire. J'ai mes réserves concernant Tsushima Mikado, mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Arrêtez, bande de criminels! C'est ça. Alors, il y a des monstres là-bas. C'est le petit frère de Tsushima Mikado. Il s'est enfui en marchant avant qu'on puisse l'arrêter. J'espère que tout ira bien pour lui.
Moi vraiment j'adore ce trope hein, dans les jeux japonais de s'enfuir en marchant et ça marche. Enfin ça fonctionne, je veux dire. C'est. Le nombre de fois où je vois ça, ça me fait toujours marrer. Allez le jeu, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Il faut aller par où? Par là c'est bien. Oh attends. Un panier repas. Bon, je vais prendre une soupe de sugo, hein. Une soupe au fugu, c'est bien, hein. Merci. Alors, du coup, on va se mettre un peu sur le vide. Voilà. Donc. Qu'est-ce qui se passe ici? Je cours à mon rythme, c'est ça. Ah, franchement, aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Un jour comme ça, c'est un jour à boire du pulco, voilà. C'est un jour à pas travailler, à faire une matinée tranquille, à apprécier une bonne boisson et... des monstres! Vous là, reculez! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ce Sushi Mikado là? Peut-être qu'il gère d'autres monstres ou peut-être qu'ils ont perdu la trace de celui-là. Ah, mais merde! Bon bah, il faut qu'on gère celui-là au moins, Yori. Oh, you know what? Fuck it! Je sais qu'on a dit qu'il fallait pas faire ça, mais je le fais quand même. Ok, bah super, ça y est. Ah bah en fait ça s'est bien passé prévu. Je suis en train de demander, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire les DLC? Non, les DLC je le ferai sur la deuxième route. C'est la première chose qu'on fera sur la deuxième route, sera les DLC je pense. Qu'est-ce que vous faites ici? Comme si vous avez besoin de demander, bah on est en train de s'occuper de ce que vous étiez en train de faire. Enfin non, on devrait, c'est nous qui devons vous demander ce que vous étiez en train de foutre. Bah voyez-vous, nous avons perdu la trace des monstres et j'ai entendu un grand bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur Takatoshi, si vous me permettez. Oui, allez-y. Maintenant vous deux, reculez un instant s'il vous plaît. Un truc qui brille là-bas, j'ai vu. C'est quoi tout ce bruit là? Écoutez-moi, juste un instant, il y a eu... Un petit feu s'est déclenché là-bas, ça a causé quelques problèmes. Quoi? Mais non, enfin, des monstres sont arrivés! Des monstres? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Ah, je suis sûr que vous étiez encore trop bourré pour voir... Et vous avez vu flou, c'est ça? Mais non, c'est pas possible! Enfin, est-ce que c'est possible, peut-être? Je sais pas. Bon, dans tous les cas, je vous conseillerais de vous reculer pour l'instant. Hein. Allez voir le Kawaraban pour plus de détails plus tard. Parce que c'est le Kawaraban, mais voilà. Je vois. Donc la tranquillité ici, malgré les rumeurs de monstres, c'est grâce à vous. Nous n'hésiterons pas à éradiquer les problèmes à Edo. C'est l'un des accords que nous avons avec les autorités. Nous ne mettrons pas de problèmes supplémentaires inutiles à Edo. Bien qu'un master puisse régler des choses, comme à Yokosuka et à Akasaka, ni des monstres ni des esprits héroïques ne sont suffisamment généreux pour en avoir quelque chose à faire de où est-ce qu'ils se battent. Seigneur Takatoshi, on a repéré d'autres monstres là-bas, hâtez-vous! Bien sûr. Sir Miyamoto, Saber, je vous demande humblement de l'aide. Veuillez s'il vous plaît vous nous aider à arrêter les monstres de cet endroit. Qu'est-ce qu'on fait, Yori? Les monstres posent une menace à la ville, je ne vois pas de raison de refuser. C'est vrai. Let's go, la suite. Et voilà, Saber, ouais, calme-toi, on veut pas que ton NP nucléarise la zone, s'il te plaît. Putain, ça chachaille encore!
les deux sont ok. Bref, je me rappelle que j'ai cette fonction hein, plutôt que d'ouvrir la carte. C'est vrai que j'ai cette fonction qui est beaucoup plus pratique. J'ai oublié le truc qui brille, putain. Il y a un autre là, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Ok. Let's go. Oh la vie qu'ils perdent, la vache. Oh le bouclier qu'ils font à une telle vitesse, c'est dingue. Hein. De l'autre côté là. Ok. Ah mais je les connais ceux-là, ils sont sur FGO aussi. Merde. Ok, ça marche, merci beaucoup. Je vais voir ça tout à l'heure du coup. Le miasme! Boum! Ah, la vitesse à laquelle ça part le bouclier des fois. What? Excellent travail, vous deux. Vous pouvez nous laisser le reste. Est-ce que les préparations sont terminées? Oui, monsieur. Tout est prêt. Eh bien, je vais faire comme convenu. Dis donc, vous êtes... C'est vraiment carré chez vous. J'ai toujours été doué pour ce genre de choses. Bien plus qu'avec la magie. Maintenant que la présence des monstres s'est évanouie, nous allons retourner au Kanenji. Laissez-moi vous remercier à nouveau. Nous n'aurions pas été capables d'y arriver tout seul. Pas besoin de me remercier. Hein. C'était clairement quelque chose que vous n'auriez pas réussi à gérer tout seul. Bah, on a pratiquement vaincu tous les monstres pour vous, pas vrai? Est-ce que par hasard vous seriez mauvais en magie? En effet. Vous êtes très perspicace malgré le fait que je viens de vous le dire tout à l'heure. Je suis loin d'être du niveau de mon frère dans de nombreux domaines. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était de suivre les instructions qu'il m'a données. Ma forteresse, ma lignée, ma famille a perdu trop de pouvoir pour être du niveau de la lignée du grand Seimei. Seul mon frère avait suffisamment de force. Scorn, content, attendez. Hop, j'arrive. Rad, merci. Hop. Scorn, c'est quoi? C'est du mépris. Contempt, c'est du coup, ça va être de la... Contempt, c'est du... Bah, c'est du mépris aussi, mais c'est un autre mot pour le mépris. Disgrâce. Trahison, disgrâce. Mon frère a tout supporté et est resté fort. Sa Majesté a donné son accord. Vous pouvez lancer ce rituel du croissant de lune. Vous avez mes remerciements. Vous comprenez, n'est-ce pas, Tsushi Mikado? Si le croissant de lune contient vraiment du pouvoir, il devrait reposer entre les mains du shogunat. Il ne pourrait pas y avoir de menace au règne éternel du Tokugawa.
ni au pouvoir que nous... il ne devrait pas y avoir de pouvoir que nous ne contrôlons pas. Évidemment, je vous présenterai le croissant de lune à sa majesté lorsque le rituel sera terminé. Vous êtes vraiment fait pour diriger l'Onyoji. Bien plus que les successeurs de Kotokui. Vous m'honorez avec vos paroles. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, je ne savais pas vraiment. Est-ce que mon frère avait vraiment l'intention de présenter le croissant de lune au shogunat ? Tu n'as simplement aucun talent magique, Takatoshi. Entraîne-toi comme tu le souhaites, tu n'accompliras rien. Oui, mon frère, je suis au courant. Allez, quoi, tu es le prochain dans la lignée dans la ligne de succession. Il est grand temps que tu agisses comme tel. Mais comme vous venez de le dire, je suis vraiment sans talent. Je ne pourrais jamais servir en tant que chef de la lignée. Il y a d'autres talents que la magie. Aussi doué en magie que notre père était, il a quand même perdu son statut à cause de manœuvres politiques. Je vais préparer le terrain, un chemin pour que notre fière maison regagne sa gloire. Ton travail sera de parcourir ce chemin. Mais tu devras le faire fièrement et sans honte. Il ne songeait qu'à redonner sa grandeur à notre maison par-dessus tout. Même si ce n'était qu'un tout petit peu, si j'avais pu répondre aux attentes de mon frère. Peut-être qu'il n'aurait pas eu besoin d'emprunter ce chemin de violence. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez hériter de l'ambition de Tsuchimikado Yasuhiro et essayer de vous mettre en travers de notre route? Évidemment, je vais hériter du travail de sa vie. Cependant, mon frère et moi ne sommes pas les mêmes personnes. Loin de là. Je vais faire les choses à ma manière. Quoi qu'il arrive, je ne trahirai pas les ambitions qu'il m'a confiées. Je vois. Je vais maintenant m'en aller. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vous souhaite bonne chance. Et je prie pour votre succès à la place de mon frère. Même sans pouvoir magique ou épée, il se bat sans broncher contre des monstres. En termes de force de volonté, vous et votre frère n'êtes pas si différents. Ok. Bon, du coup, je crois qu'il... Bon, déjà, on va aller à Shai pour revenir sur la carte. Et je pense qu'il est temps de faire l'interlude de Saber. Et d'abord, il y a un truc qui brille là. C'est pas par là, n'est-ce pas? Putain. Ouais, peut-être. Après, le truc s'appelle My Beloved, donc je pense que c'est plutôt lui, et c'est plutôt juste Saber qui va avoir un petit dialogue pour se remémorer sa relation avec sa défunte femme. Mais du coup, go home. Allons-y. Yori, est-ce que tu aurais un instant? Il y a un problème. Je voudrais remercier Kaya pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Tiens. Je voudrais lui donner quelque chose que j'ai fabriqué par moi-même. Mais pour ça, je vais avoir besoin de plusieurs matériaux. Est-ce que tu peux m'aider?
Le rituel sera bientôt terminé. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps libre, mais malgré ça, j'aimerais quand même lui donner quelque chose. Parce que après que le rituel soit terminé, on sera... pas moyen que je puisse dire quelque chose comme ça. La remercier pour... merci de penser à elle. Évidemment que je vais t'aider. Si elle savait à quel point tu tenais... elle tient pour toi, elle serait folle de joie. C'est vrai. Oh, yes. Merci, t'es le meilleur, Yori. Évidemment, bro. Bien sûr. Bon. J'aime beaucoup cette quête-là, je trouve très, très douce. Eh ben, ça, en tout cas, ça commence bien. Bon, c'est le bro, bien sûr, on va aider. La bromance. Bon, qu'est-ce que t'as besoin de rassembler? J'ai déjà plus ou moins tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de ton aide à récupérer les matériaux requis pour les touches finales. Alors, une pierre de larme de dragon, une corne d'ogre géant et une carapace de sirène. Est-ce que ça va être quelque chose comme les tâches impossibles de la princesse Kaguya? Kaguya? Non, Dame Kaguya n'a rien à voir là-dedans. Non, t'inquiète, non, laisse tomber. Juste pour être sûr, ce sont des choses qui existent vraiment, hein. Bien sûr, c'est juste un peu compliqué de mettre la main dessus. Juste un peu. Bah, Edo est grand, donc on finira par le trouver. T'as une idée de où commencer à chercher? Oui, je pense qu'il y a une personne qui saura où sont les choses que je cherche. Une personne, bon. On contrôle là, cette personne. Ah! Bon, oui, d'accord. Quoi, c'est Aria la personne en question? Eh bien, Seigneur Yori, je suis vraiment ravi que vous vouliez venir me voir. Désolé, mais c'est moi qui voulais te voir. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Ah bon? Bon, d'accord. Oui, j'ai les matériaux que vous recherchiez. Oh bah super! Est-ce que je peux les avoir? En fait, je les aime bien, j'aimerais pas m'en séparer à moins que ce soit une demande directe du Seigneur Yori. Ah, je vois. Je sais. Je vais vous le donner en échange de quelque chose que je veux. Quelque chose que tu veux? Je voudrais la magnifique gemme que le Seigneur Yori porte à sa main tout le temps. Yori? C'est bon, fais pas cette tête, ça a de la valeur, mais elle est pas unique. Pour moi, c'est un trésor unique en son genre. Assurez-vous d'en avoir plein. Alors, elle veut plein d'un truc unique. Très bien, bon, compris, hein. Ok. Eh ben, il faut 20 gemmes. Putain, 20 gemmes! Ah, il m'en reste combien des gemmes? Attends. Il m'en reste 29, elle m'en veut 20. C'est le bon, le 33 de la licence, l'homme qui a gagné le cœur des hommes et des femmes qui ont vu Kitab, c'est ça. Bon, j'ai ce que tu veux, Aria, mais vraiment, c'est pas donné, un saber, j'espère que ça vaut le coup. c'est magnifique, je suis folle de joie. Comme promis, je vais vous donner les matériaux. Ça nous aide beaucoup, tu as nos remerciements. Voilà, une arme de dragon, super. Sûr, Saber, vraiment, t'es sûr? Bon, on a le premier. Évidemment. Cependant, j'ai pas d'indice pour le deuxième. Évidemment. Le nom du deuxième matériau suggère qu'on va devoir le récupérer d'un monstre à cornes. D'après ce que mon maître m'a un jour raconté, il y aurait bien l'ogre mythique. C'est un dérivé du dieu de la je sais pas quoi. Non, quoi? Juste un ogre? Quelque chose avec une corne? Je pense pas que n'importe quel monstre ferait l'affaire, cependant. Pourquoi? Comment dire? C'est pas assez! Donc il n'y aura que un ogre fort qui fera le taf, d'accord. Est-ce qu'on pourrait demander à Tsukenoshin s'il a entendu parler de rumeurs à propos d'ogre? Peut-être? Oui, ça va, j'en avais déjà 29, effectivement. Si t'en avais que 10 à ce moment-là, t'es en mode putain. Après, dans l'atelier, tu peux en crafter, mais c'est vrai que ça te coûte des matériaux, quoi, donc c'est un peu chiant. Mais c'est vrai qu'il va falloir que j'aille en recrafter, du coup.
Les rumeurs à propos des ogres oui, voilà, j'ai des petites discussions à droite à gauche comme ça au mieux, mais bizarrement, j'en ai entendu pas mal récemment, évidemment. Est-ce que t'as entendu parler d'un particulièrement fort? Bah, tous les ogres sont forts, non? Et ouais, j'ai entendu un petit quelque chose. C'est à propos du grand ogre de Todoroki. Oh oh, ça m'intéresse. Vous avez entendu parler des Ronin qui font le Tsujigiri, c'est-à-dire qui mettent du sang sur leurs épées aux alentours, pas vrai? Apparemment, un ogre géant est venu festoyer sur tout le sang et le mépris, enfin le ressentiment qu'ont laissé ces Ronin. Ivres de gore et de malice, ils se baladent dans les montagnes de Todoroki. On dit que les échos du hurlement du grand ogre peuvent être entendus depuis les montagnes jusqu'à des villages éloignés toutes les nuits. Bon, et bah... tu penses qu'on devrait être capable de trouver ce qu'on cherche à Todoroki? On saura pas tant qu'on n'aura pas essayé. On doit gérer cet ogre... Enfin, on aura besoin de gérer cet ogre à un moment donné, de toute façon. C'est vrai. C'est vrai que... T'as raison, y a moyen de faire en sorte que ça... Enfin, je vais lancer ça, je vais lancer la création de gemmes en bac et je reviendrai les chercher quand elles seront prêtes. J'avoue que c'est un truc que je fais pas souvent et que j'aurais pu faire depuis bien longtemps. Je vais en profiter pour vérifier si l'atelier, j'ai pas un truc à améliorer dans l'atelier. Si, oh si, oh si, oh si, alors attends. Increase the speed of crafting gems. Tiens, tiens, tiens! Est-ce que par hasard, c'est pas de ça dont on aurait besoin? Je crois quand même que... Alors, attends, ça demande quoi? Mastery Ore, Black Horn, Tarnish Coin, Transport Tumbler. Ok. Ça augmente la vie restaurée par la foudre, c'est cool. Ça augmente l'XP gagné par les veines spirituelles de 10%, c'est pas mal. Et Synergie, ça augmente l'affinité des... Ok, bon, d'accord. Bon, évidemment, on va commencer par ça, du coup. Et nous avons un atelier niveau 4, let's go! Voilà. Je prends ça parce que ça, je m'en sers à faire une de la bouffe. Voilà. Il y a un niveau 5 qui est sorti, mais voilà. Est-ce que ça demande la même chose ces trucs-là? Du vieux papier. Ouais, j'ai pile ce qu'il faut. Wow. Ok, bon, maintenant, craft gem. Ouais, alors attends, on va dire quoi? Qu'est-ce que j'ai en quantité là? J'ai pas un tri par quantité? Ça, bon. Bon, on verra bien. Vous voyez comme ça, on verra bien. Hop, un petit tour. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Saber du coup a débloqué un truc ici, je crois. Yes. Capacité ici. Yori a débloqué un truc quelque part également, je sais plus où. Ici. Voilà. Oh, c'est off. Oui, ça il me le faut. Ça, je vais le chercher parce qu'il me le faut. Les attaques dans n'importe quelle posture baissent légèrement les break bars. Putain, c'est bien ça. Oui, carrément. Oh! Nice ça. Qu'est-ce que j'ai gagné en sort là? Ah oui, le truc de Berserker, c'est vrai. Ok, qu'est-ce que je voulais faire? Donc déjà, dormir. Et aussi faire un petit peu de polissage d'épée parce que je crois que je suis pas sûr d'avoir encore le bonus d'XP. Comment je vois si j'ai le bonus d'XP encore? Bon, dans le doute, on va le faire. C'est mieux que rien.
Ok, parfait. 20% d'XP en plus pendant 8 combats. Let's go. Allez, on va casser de l'ogre. Bon, comment va Todoroki déjà là-bas? Pas sûr que ce soit le chemin plus rapide, ça. Le succès touriste qui s'incrémente au fur et à mesure. Let's go. Ok, Todoroki. Todoroki. C'est là. Let's go. Ok. Alors. Dans la caverne, c'est ça. Ouais. Ça, c'est marrant, il y a du monde dans la caverne maintenant. Ah bah je me dis bien que cette zone devait servir un truc, devait servir un jour. Alors c'est lui le grand ogre. Oh putain, oui. Ah, c'est une sacrée quantité d'énergie magique qu'il a. Je pense qu'on peut espérer avoir une bonne corne avec ça. Ok, bam. Tac. Merde, je vais faire un truc, je vais enfin tester le MP2 de Karma. Ah merde, j'ai pas assez de NP, merde. Non, j'ai pas assez pour le rush non plus. Ah, j'aurais pas le temps de le charger, dommage. Oh, pour la prochaine fois. Oh, pour la prochaine fois. Merde, j'ai plus de... Oh ben, parfait. Hop là! Très bien! Ça devrait faire l'affaire pour le deuxième matériau. Donc le dernier c'était quoi déjà? Alors quelque chose qui a un lien avec la mer, je crois? Bon bah on peut essayer de se diriger vers un port. Ça peut être pas mal. C'est un bon début. Yokosuka, allons-y. Saber. Il y a bien longtemps, j'ai perdu quelqu'un de qui m'était très cher dans cette mer. Elle était très gentille. Elle n'a pas hésité à prendre dans ses mains mes doigts couverts de sang. J'ai juré de ne jamais la laisser partir, de ne jamais lâcher sa main, sa chaleur. Mais au final, j'ai laissé faire qu'elle soit absorbée par la mer. J'aurais juste dû tenir sa main. J'aurais dû l'arrêter par n'importe quel moyen nécessaire. Saber. Non, qu'importe. En tous les cas, c'est quelque chose que je ne souhaite jamais revivre à nouveau. C'est pour ça. Ouais. Faisons ce que nous pouvons pour ne pas avoir de regrets. Peut-être que je réfléchissais trop. Je surinterprétais plutôt. Des monstres. C'est bon. Ah, dommage pour eux. Occupons-nous-en rapidement.
Oh plus merde. Rapidement j'ai dit. Évidemment. Putain, les monstres ils me tuent dans la vraie vie, c'est dingue. Il y a un truc qui est tombé par terre. Saber, ce serait pas. Ah, mais c'est ça! Ah, bah super! C'est pas l'endroit. Pas l'endroit le plus inattendu pour le trouver, j'imagine. On l'a trouvé! On l'a trouvé! Ah, merci beaucoup, Yori, je suis tellement heureux! Youpi! Ok, ok, j'ai compris. T'as l'air sacrément content. Tu pourras me remercier après avoir fini, après avoir terminé la touche finale. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fabriques? Va falloir attendre que j'ai fini pour voir ça. Alors. C'est terminé. T'en es content, c'est bon? Ouais. Ça a pris un peu de temps, mais j'ai réussi, je pense, à mettre tout mon cœur dedans. Ah bien, eh ben, j'ai hâte de voir ce que c'est. Je vais appeler Kaya. Attends ici, Saber. Qu'est-ce qu'il y a, Saber? Vous aviez besoin de moi pour quelque chose? J'aimerais que tu te donnes ceci. Une très mignonne comme brosse, qu'est-ce que c'est? Enfin, je peux la voir? Tu as fait tellement pour moi. Considère cela comme un remerciement. Ah, attends, du coup, là, par contre, je vois pas bien la corne, elle a servi à quoi, là? Parce que les coquillages de sirène, très bien, ok. Il y avait quoi? Il y avait la corne et il y avait... Et c'était quoi le truc qu'on a chopé chez Arya? Merde, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais je vois pas de corne là-dedans. J'espère que tu apprécieras. Ah, mais je l'ai aimé la seconde où je l'ai vu. C'est tellement joli. Ah bah, tant mieux, Saber. L'avoir heureuse comme ça, ça vaut bien tous les efforts que t'as pris pour le fabriquer, non? Quoi? C'est toi qui l'as fabriqué, Saber? Mais c'est incroyable! Ça doit être pour ça que ça me plaît autant. Merci beaucoup! C'est rien, bah utilise-le si tu l'aimes bien. Bien sûr! Je vais le passer à travers, enfin dans mes cheveux 50 fois par jour. Oh ya! Saber? Qu'y a-t-il? Je voudrais marquer l'occasion, alors est-ce que tu pourrais être le premier à brosser mes cheveux avec cette nouvelle brosse? T'es sûr que tu as envie que je le fasse? Oui, s'il te plaît! Je comprends. Eh ben, laisse-moi faire dans ce cas. Merci! Grand frère? Ouais. Comment ça? Est-ce que je dois vraiment besoin de le dire? Bah, désolé, mais j'ai aucune idée de quoi t'es en train de parler là. T'es peut-être capable de lire le coup d'une épée, mais pas le cœur d'une femme. Et c'est bon, tu rigoles pas toi, c'est bon. Écoute-moi bien, grand frère. Saber va me coiffer les cheveux. C'est un moment spécial, donc... C'est bon, j'ai compris, je suis en chemin, c'est ça. Je vais me balader avant de mettre en colère la bestiole. Eh, hey, mais apprendre... Il faut apprendre quand arrêter de parler à un moment donné, hein. Je viens de revenir sur la question. C'était est-ce que j'ai... Ah oui, voilà, c'est Otochibanaï, mais ça. J'étais trop... C'était trop évident. Tu... Pourquoi est-ce que tu m'as donné une brosse à cheveux? En plus, ce serait pas... Si, c'est... Elle est faite sur le modèle de celle que j'avais... Washed up, que j'avais perdu sur la plage, c'est ça? Donc je te la rends. Je préfère te la rendre plutôt que de la voir en tant que cadeau d'adieu.
Depuis ce jour, ça, j'ai longtemps attendu pour le faire. Quoi, tu t'inquiétais toujours à propos de ça? Oh. Je suis désolé. M'attendre. Je sais, ça a dû être si difficile, si douloureux. Vaincre le mal et faire le bien. Tu as placé ce fardeau héroïque sur toi-même. Toujours en allant de l'avant, en s'encombrant de cette souffrance et de cette solitude sans jamais se plaindre. Je suis tellement fier de toi. J'ai été fier de pouvoir se tenir à tes côtés. Je ferais bien... Je ferai tout ce qui pourrait être utile, qu'importe ce que ça puisse être. C'est pour ça que j'ai voulu faire tout ce qui pouvait être utile. C'est pour ça que je suis allé à la mer avec fierté dans mon cœur. C'était la première fois que je pouvais ouvrir le chemin vers pour toi, qui s'est toujours débrouillé pour forger son propre chemin. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ma brosse à cheveux, c'était un symbole de ma fierté. Et donc, si cette brosse est un symbole de la tienne, je l'accepte joyeusement. Et malgré tout, cette fois, je jure de te protéger. Pat de Saber. Oh, ils sont tellement mignons tous les deux, c'est dingue. Oi, oi, oi. Oh, j'ai presque fini son anneau, fais chier. Il me manque genre une quête. Terrible. Ok. Bon. Eh ben, je pense qu'on est pas mal. Ah, une nouvelle Recollection Quest. Silent Sniper, faut tuer Rogue Archer. Super, bah tiens, on va faire ça déjà. Attends. Ah oui, non, attends. Ce qu'on va faire surtout, c'est on va juste se battre en tant que Saber. C'est un truc que j'ai remarqué, en fait, c'est que ces Recollection Battle permettent de faire level up Saber, notamment. Parce que tous les autres servants sont level lock par rapport à celui de Saber, j'ai l'impression. En tout cas, par rapport au plus haut au perso entre moi. Donc du coup, en fait, j'utilise Saber pour faire ces combats, du coup. Ça fait un peu level up plus rapidement. Donc let's go, affrontons Arjuna. Allez, Riposte, bam. Non, rain drop, bam. Ah oui, c'est un de cette quête. Non, franchement, les deux sont adorables. Voilà. On est calqué sur le level de Saber, c'est ça. Donc, du coup, j'ai tout intérêt à le faire le level le plus vite possible, pardon. Non, j'ai dit, tu t'arrêtes. Et oh. T'arrêtes, j'ai dit. Vas-y, vie. Non, ta gueule. Bon, merde. Bon. Ah, merde. Tu m'emmerdes. Voilà. J'ai une batterie maintenant, donc autant que je claque mon NP aussi vite que je peux. Hein. Merde. Haki, Toto. Non, merde. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est ça, mets ta barre. Oh,
Non, ça suffit, non. Ah par contre je vais avoir un problème. C'est que là du coup cette quête là c'était la dernière quête annexe qui nous restait à faire avant d'entamer la quête principale. Le truc c'est qu'il est que 22h30. Du coup je suis emmerdé parce que j'ai pas forcément envie d'entamer la quête principale maintenant sachant que dans une heure à peine je passe sur le concert de Low Live. Du coup je suis un peu emmerdé là. Ouais, plus de... contre les humains, je sais pas si c'est utile ça. Non, c'est pas très utile ça. Plus d'attaque, plus de tech, plus d'attaque, c'est bien. Un peu de farm de FGO, ça va être le farm de la thune, mais oui, je peux éventuellement faire ça. Tiens, oula, tac. Ça va être surtout farmer de la thune, mais effectivement. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors... de toute façon, en plus, la quête principale me demande juste de faire ça, et ça va partir sur un Grelfond, donc ça va être super long. Donc on va s'arrêter là du coup pour Samurai Remnanto, voilà, effectivement. Alors, tac, 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 voilà, et on va remettre un petit peu de musique pour la, notamment la fin de la VOD YouTube, parce que bon, le reste sur FGO, je vais pas forcément le mettre en VOD, donc voilà, on va couper ça. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé la suite du coup demain soir du coup pour... entamer, j'ai envie de dire, la dernière ligne droite, la fin de la première run, de la première route de Samurai Remnant. Ça va être cool, je le sens. Du coup, des bisous et à bientôt. Salut !